rapports intellectuels, les convergences possibles entre notre président de la République actuelle et le grand philosophe Paul Ricoeur, à partir du fait, évidemment, comme ça que le sujet existe, qu'ils se sont en effet rencontrés. C'était aux alentours de la fin du siècle dernier, donc dans les années 99-2000, puisque Ricoeur, à ce moment-là, cherchait quelqu'un pour l'assister pour ce qu'on appelle l'établissement éditorial de son livre avant-dernier, le grand « La mémoire, l'histoire, l'oubli » qui est sorti en 2000. Et donc c'est Emmanuel Macron qui a été chargé de ça, c'est-à-dire relire les notes, la bibliographie, vérifier donc la fiabilité de tous ces éléments. Et il en est d'ailleurs vivement remercié par Ricoeur en introduction du volume. Alors à partir de là, il a établi en effet qu'ils se sont rencontrés non seulement pour ce travail-là, mais aussi pour échanger en profondeur sur des enjeux de philosophe. Et que, outre même la philosophie, on peut considérer qu'Emmanuel Macron est devenu, comme dit maintenant sa famille, plus de 15 ans plus tard, un ami de la famille, qui était invité à ce titre au repas dominical autour de la grande table que réunissait Paul Ricoeur. Et donc à partir de là, on peut effectivement se demander quelles sont vraiment les convergences ou pas entre cet homme politique et ce philosophe. Ils ont travaillé ensemble et en attestent non seulement ils ont dialogué oralement, si j'ose dire, mais aussi par écrit. Et donc, au fond Ricoeur, on trouve des archives, et en particulier une correspondance des lettres que Emmanuel Macron a écrites à Paul Ricoeur sur le fond de ce livre. Donc, c'est établi. Ricoeur a pu avoir une influence sur la pensée d'Emmanuel Macron en ce qui concerne le politique. Qu'est-ce que c'est que le politique? Qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Alors, sur le fond, il me semble qu'on peut dire la chose la plus évidente, c'est le fameux thème, la fameuse expression de « en même temps ». Trivialement, ça veut dire essayer de sortir de la pensée binaire, qui veut dire c'est ou bien blanc ou bien noir, ceci est vrai et le contraire est faux. Et c'est une façon de dire, mais on peut concilier des choses qui sont a priori contraires. Et je pense que ça a à voir dans son cas à une volonté de dépasser le clivage entre la gauche et la droite, en disant ce que la gauche peut tenir pour cher peut en même temps être pris en compte par la droite ou réciproquement. Donc c'est une façon de dépasser des antagonismes un peu simplistes. Et il se trouve que chez Ricoeur, sa manière à lui de développer sa pensée politique, ce qui se fait sur plusieurs décennies, s'exerce à chaque fois sous la forme de ce qu'il appelle un paradoxe. Il y a un premier, un deuxième et un troisième paradoxe politique. Et la figure du paradoxe, c'est justement de dire il faut tenir, prendre au sérieux la situation à comprendre, il faut tenir à égalité d'importance ceci et cela. Et ça veut dire qu'implicitement, Ricoeur appelle à une solution pratique, qui ne sera donc pas une solution théorique, et implicitement, son intention centrale, c'est de démasquer le dogmatisme en politique, en disant, vous prétendez détenir la vérité, c'est une duperie, c'est une imposture, et la figure du paradoxe est une invitation à être dans la pratique, ce qui n'est pas sans affinité, ou sans... Ce qui n'est pas sans analogie avec la posture de Macron, dans la mesure où il essaie de dépasser la guerre entre les camps, la guerre de tranchées entre une gauche et une droite, qui reste également crispée, chacune sur ses positions. Et me semble-t-il, c'est ce que, contre toute attente, Emmanuel Macron non seulement a proposé, mais a accompli, en déjouant tous les pronostics, et finalement, en dépassant le clivage gauche-droite, face à l'événement qui était quoi? Qui était, en gros, 30 ans d'alternance sans alternative, la gauche succédant à la droite et réciproquement, pour mener des politiques qui apparaissaient de plus en plus identiques, de plus en plus semblables, proches, étonnamment, et en fait scandaleusement, dans la mesure où ça laissait en friche les événements, c'est-à-dire le chômage de masse, les enjeux de la mondialisation. Ensuite, on peut prendre le deuxième paradoxe politique chez Ricoeur, c'est... Il dit le paradoxe du politique nous invite à penser ensemble qu'il y a une dimension verticale du pouvoir, une dimension hiérarchique. L'État républicain impose aux citoyens, même si ce sont les citoyens qui ont élu leurs représentants, bien sûr, mais il y a une dimension hiérarchique. Et d'autre part, il y a une dimension non seulement verticale, mais une dimension horizontale qui est celle du vivre ensemble dans la cité, la coopération, l'agir en commun. Et à partir de là, donc là aussi, il y a une impasse logique, c'est qu'il s'agit de penser à la fois la dimension horizontale et la dimension verticale du pouvoir en démocratie. Et on peut dire de ce côté-là qu'il y a une analogie chez Macron, en ce sens que, après
30 ans de politique dans laquelle, marquée avant tout par un souci de se montrer proche, dans la compassion, dans l'empathie, et parfois au détriment d'une dimension verticale. Avec des aléas, parce que Sarkozy, je pense, à sa manière, a aussi essayé de redire un peu la posture pour rappeler une forme de verticalité. Mais il me semble que c'est ce que n'a pas fait Hollande, en se présentant comme le président normal. Et donc du coup, me semble-t-il, ce qu'entreprend Emmanuel Macron, c'est de réhabiliter le fait qu'il y a de la verticalité dans le pouvoir, fût-ce en démocratie. Et alors, à mon avis, là, il y a une convergence, disons que là, il peut le faire en s'adossant à ce qu'il a pu échanger avec Ricoeur sur le fond de la philosophie. Cette posture d'autorité qui est couramment celle du sage à l'égard du disciple, qui est celle du gouvernant avec les gouvernés, mais qui peut être aussi celle du pédagogue avec l'élève, etc. Il y a une dimension de co-action, d'action en commun, avec une dimension de réciprocité entre les protagonistes. Ce qui implique de la part de celui qui pourrait exercer le pouvoir et qui choisit la posture d'autorité, de ne pas imposer, en fait, de ne pas donner dans la surenchère de ce qu'il pourrait faire en termes purement contraignants, et au contraire d'en faire moins. Et donc ça, c'est la deuxième figure du paradoxe politique chez Ricoeur, qui montre qu'il y a convergence possible, et en même temps, pour le coup, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une case manquante, et donc il peut y avoir potentiellement divergence, différence. Voilà. Et puis enfin, il y a le troisième cas de figure, qui est le troisième paradoxe politique chez Ricoeur, c'est quand nous agissons en glissant un bulletin dans l'urne, quand nous manifestons, quand nous signons une pétition, alors là, nous sentons citoyens. Et donc ça veut dire que nous sommes citoyens par intermittence. Mais, dit Ricoeur, nous ne cessons jamais, en tant que citoyens, de faire partie de la cité. Et dans un article de 2011 que Macron publie dans la revue Esprit, il aborde ces enjeux. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour lui aussi, sous le thème de la responsabilité, et que ce qui est intéressant dans son esprit, c'est que lui aussi identifie un enjeu de discernement, et en fait sa posture est différente, c'est-à-dire que lui ne se place pas en tant que citoyen mais en tant que futur décideur politique. Donc il ne va pas saisir les enjeux par le bas en disant que faut-il que le citoyen ait à l'esprit pour se comporter en tant que tel, mais plutôt du point de vue du décideur, quelles seraient les choses à faire pour contribuer à clarifier les situations et à rendre le sens civique à l'ensemble de la cité. Et donc sa proposition, c'est grosso modo de simplifier ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Il y a une espèce de convergence sur une difficulté concrète aujourd'hui dans la démocratie contemporaine de clarifier les enjeux pour faciliter l'exercice de la responsabilité par les citoyens, mais que pour l'un philosophe, il s'identifie à ses concitoyens, donc il voit les choses d'en bas, alors que pour Macron, qui peut-être se projette dans l'avenir, donc 2011, il est en train d'intégrer l'équipe de campagne de François Hollande qui sera élu en 2012, et on peut dire, en le lisant depuis maintenant, depuis 2017-2018, que peut-être que ce qu'il écrit là est ce qu'il est en train d'avoir à l'esprit maintenant en étant aux commandes. Et à partir de là, on voit que sa posture n'est pas depuis la posture d'en bas, mais la posture d'en haut, c'est-à-dire de celui qui est en capacité de décider pour les citoyens. Paul Ricoeur est un grand philosophe, et donc, et en tout cas dans sa posture de pensée, je pense qu'il est bien au-delà de toutes les catégories de la vie politique quotidienne. Donc ce serait extrêmement réducteur de prétendre assigner la pensée politique de Ricoeur aux catégories du débat politique quotidien, quoi. Ça ne rentre pas. Et je peux donner un exemple de ça, c'est qu'il y a aussi une convergence entre Macron et Ricoeur dans une adhésion commune, donc chez l'un comme chez l'autre, à ce qu'on appelle le libéralisme politique. Le libéralisme politique n'est pas le libéralisme économique. Le libéralisme politique, ça veut dire l'État est dans son rôle, mais il laisse de la liberté à ses marges. Pourquoi ? Parce qu'il fait confiance à la société. Donc il n'a pas à mettre son nez partout. Donc ça veut dire qu'il reste de la marge de manœuvre. Pour le dire autrement, ça veut dire que dans une société libérale, avec au sens libéralisme politique, tout n'est pas politique. Il y a des choses qui relèvent des choix libres entre citoyens, et donc l'État n'a pas à mettre son nez là-dedans. Bon, alors ça c'est un point de convergence entre Ricoeur et Macron, mais ce que fait, me semble-t-il, de façon implicite, mais de façon assez démontrable, c'est que Ricoeur, toujours avec cette pensée du paradoxe, en fait, il ne va jamais avancer une idée seule, mais toujours une idée et son quelque chose qui va la contrebalancer. Et donc d'un côté il y aura libéralisme politique, et de l'autre côté il y aura socialisme, en tout cas dans les années 70-80. Ça veut dire que d'un côté il y aura la liberté, et de l'autre côté il y aura l'égalité. Et on a vu tout à l'heure que qu'est-ce qui fait
qu'est-ce qui permet de tenir les deux pôles ensemble ? Ce sera la fraternité. Donc nous sommes en plein dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il ne s'agit pas de faire de Ricoeur l'espèce de surmoi philosophique qui serait en train de dévisager l'action du président comme une instance de jugement. Il ne s'agit pas de ça. Mais inversement, on peut voir que ça ne rentre pas dans les cases, et donc c'est tout à fait impropre de prétendre réduire à Paul Ricoeur à l'état de... Que ce soit le surmoi philosophique dont je parlais à l'instant, qui serait critique par rapport à Macron, ou que ce soit inversement le penseur prétendument officiel du règne Macron. Ce serait absurde dans les deux cas. On peut dire premier épisode, dans les années 50-60, Ricoeur publie Histoire et vérité, qui est un recueil de textes, philosophiques évidemment, mais il se trouve qu'à mi-parcours du livre, il y a trois articles qui sont regroupés sous l'intitulé « Perspective théologique ». L'image de Dieu et l'épopée humaine, le saucisse et le prochain, qui est un commentaire philosophique de la parabole du Samaritain, et puis le christianisme et le sens de l'histoire. Et alors il est évident, et donc après coup je l'ai entendu dire, que évidemment qu'il a été sévèrement critiqué par la Sorbonne laïcarde pour mélanger les genres. Bon. Donc à partir de là, alors même qu'il ne s'agit pas de théologie, il s'agit d'un commentaire philosophique, mais sur un corpus qui est en l'occurrence biblique. Dans les années 90, il publie séparément 12 conférences qu'il a prononcées, les Gifted Lectures en Écosse, qui est en 88-89, donc il y en a 12. Et les 10 premières sont publiées sous la forme d'un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». Et puis les deux dernières vont être publiées séparément sous le titre « Amour et justice » parce qu'elles sont orientées vers une thématique biblique. Et on pourrait dire, pour faire court, la justice c'est l'Ancien Testament, l'amour c'est le Nouveau. Et donc, il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout à fait... En filigrane, on peut lire ça. Et effectivement, c'est en regardant en direction du théologique et du biblique qu'il fait ça. Mais justement, il dissocie les deux bouquins pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Cependant, comme Ricoeur le dit le premier, il est impossible de penser à partir de rien. Donc pour Ricoeur, on ne peut penser qu'en se retournant sur le parcours antérieur, sur la culture dont on est issu, sur l'éducation qu'on a eue. Et donc, dans son cas, il y a deux choses, il le dit explicitement. Il y a la culture antique, et puis il y a la culture du judéo-christianisme, l'imagination capable de réinterpréter nos traditions pour inventer l'avenir. C'est un mouvement absolument récurrent auquel il appelle des centaines de fois. C'est un mouvement philosophique, c'est une proposition d'invention ensemble de l'avenir, mais on peut dire que c'est exactement le geste de la réforme protestante, qui n'a pas justement prétendu à faire table rase, mais au contraire à réinterpréter, enfin comme on disait, revenir aux sources, retour ad fontes. Bon. Donc ça veut dire réinterpréter en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, cet héritage qui est bien antérieur. Et donc là il y a un geste qui est très ricœurien. Comment être capable de réinterpréter, comme a pu le faire la réforme, en décapant tout ce qui a pu se sédimenter dans l'intervalle comme tradition qui empêche de voir, le mot important chez lui, c'est vivant, au sens de la métaphore vive, par exemple, au sens de la métaphore et de l'imagination qui est inventive. Bon. Il me semble que non, et qu'il serait beaucoup plus. L'indice qu'on a à ce sujet, c'est dans un texte qu'il avait publié dans l'hebdomadaire Le 1, en 2016, où il parle du roi décapité. Donc à la Révolution française, les révolutionnaires décapitent le roi. Et donc pour lui, c'est ce que dont les Français ne voulaient pas. Et alors il ne dit pas, mais on peut supposer qu'il y a quelque chose comme une volonté de sa part de restaurer non pas le sens vif des héritages antérieurs, mais de restaurer une figure verticale, une figure jupitérienne, on pourrait dire peut-être une figure Louis XIVe, qui aurait été décapité à la Révolution française et qui ne serait pas sans analogie avec sa posture à lui de président jupitérien. Quoi. Voilà, mais après il faut laisser ça en point de suspension parce que ce n'est pas écrit, ce n'est qu'une hypothèse de lecture.